Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur, la Bible dit maintenant, Seigneur l'Éternel. Oh, go pour Amilele. Les choses que nous voyons dans l'église, mes bien-aimés, ce n'est pas bien. Et le samedi, il travaille avec un démon, le démon de la musique. Son nom, c'est Sankai. Jina yake ni Sanka. Sankai. Sankai. Vous connaissez le musicien Pepe Kale? Unajole mwimbaji Pepe Kale? Il est déjà décédé. Chacha kufwa. Quand vous suivez ces anciens albums là, wakati unafuata ile maganda yake ya zamani, il parlait de Sankai. Alianza kusemaka Sankai. 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 Veut dire simplement envoûtement. Nikusema kujenduliwa tu. Ici. Apa. Je vais vous parler sur quelque chose. Ici, il y a des enfants de Dieu. Apa pego batoto wa Mungu. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise, la musique congolaise mondaine. Je n'écoute pas. Yake, moi, j'aime le zouk, le slow, ya maslo, j'aime le reggae, j'aime la musique rock. Napendaka rock. Il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison, qui ont des DVD, des histoires. Il y a Zouk, Slow, Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? On a déjà sema Céline Dion na kwa padre moja wa Lucifer. Céline Dion, prêtresse de Lucifer. Padre mwanamke wa Lucifer. Madonna. Shakira. Britney Spears. Amen. La liste est longue. Daftari kumulefu. La liste. Daftari. Mais il y a ici des chrétiens. Apa kuko ba Christu. Des sœurs et des frères. Badada la banduku. Qui ont dans leur maison ces histoires. Manyumba yabo biko wa mobile. Mais c'est la gloire de Satan. Satan. Ni utukufu ya Shetani. Shetani. Connaissez l'album Kibwisampimpa? Unajua ile ganda Kibwisampimpa? Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Sina na saka mifasiri. Kibwisampimpa. Kibwisampimpa. Alakelele. À laquelle elle est Efrakata. Na Efrakata. Là, on vous dit, Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là consistent là. Ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allah Akbar. Quand on dit ça, Dieu est grand. Ce n'est pas les dieux créateurs. C'est un autre. Celui qui a chanté Efrakata. Ou la rimba Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Ariowanaka na mamba muntu moya njina yake Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France à l'Olympia de Paris. Wakati alipasha kufanya concert yake kule chumba ya Olympia. J'étais encore sataniste à ce moment-là. Unaona ntuti nilikuwa mamba bushi. Même le jour de mon mariage. Hata siku ya ndoa yangu. Quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres. Wakati nilifanyaka ndoa na Hélène mulimwengu. La musique qu'on avait mis ce jour-là. Ile ganda tulitia. Mais c'était la musique de cet homme-là. Ilikuwa ni mimbo ya ule muntu. Je vous dis vrai. Na miambia bya kweli. Son vrai nom. Jina yake ya kweli. C'est Akram. Ni Akram. Akram, ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. John Gina, cet homme-là qui a chanté Efrakata, V12, Affaire d'État, cet homme-là. C'est ça son vrai nom. John Gina, un sataniste tout fait. Muntu wa Shetani yote mujima. Même celui qui a chanté Alakelele. Atola rimba Alakelele, Kibwisampimpa. Amen, amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen, amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Hein, mais je vous donnerai même les titres des albums. Ultimatum, loi, droit de veto. Loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Inspiration à toi quoi Lucifer au moyen. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Céline Dion a cette journée peine d'éteindre. Lucifer. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mise ce jour-là. Dieu en dehors. Était tiré de l'album Magie. Il est moins beau balitiaga balitoshaga moins élégant d'avoir Magie. Le titre c'est Petit à London. Titre y a ni Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse, ce jour-là. Le jour de mon mariage. Je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et des enfants. Et je vous dis la vérité. Mais vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Bon, je vous promets que je vous donnerai d'autres...
Ceux qui restent, je donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui du travail, c'est Akiel. Le démon de la pauvreté, c'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que si on est pauvre, on ne va pas traîner, on ne va pas faire beaucoup de temps, on va encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier si on est pauvre. C'est pour cela que vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et la pauvreté, on peut la combattre seulement quand on sait offrir à Dieu. Quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu, c'est le seul moyen pour combattre la pauvreté. Alors je termine avec ce que je vous ai dit, la mort. Je vous ai dit au début. Je vous ai dit que Sankai Music, c'était lui le démon de samedi. Dans le secte de Maïkari, il est beaucoup élevé parce qu'il travaille avec lui. Il est mouvement mononaka ya samedi, bantu kama natoka samedi na luria paka lendi, nekalaka ni anvutuma inatokaka kwa ule démon Sankai. Il y a un mouvement qui se fait le samedi, les gens sont agités, quelqu'un peut quitter la maison le samedi pour revenir le lundi. C'est un mouvement qui est provoqué par ces démons là-bas. C'est comme ça que vous allez voir même les chrétiens, les musiciens profanes aiment faire leurs concerts seulement les samedis. C'est le jour où le diable avait donné à ses démons le pouvoir de régner sur toute la terre. À l'époque de Zaïre, c'est Pepe Kale qui était le représentant de Maïkari. Dans notre pays. Même les périodes à Congo. Même à l'époque où c'est devenu Congo. On a joué à Villa Rikufuaka. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il était mort? Mumaikari abatoa kebantu. Chez les Maïkari, on ne donne pas des sacrifices humains. Taua parti moya akumulia kuna uwaye. Tu vas détruire une partie de ton corps. Kama unauza leo hata madiski yake ya zamani kuna ngara mu makonsere yake mingu. Tona kama iko naimba, samu aranza kwa chaka anamwachia papitex anarudia ku Mkongo. Alors c'est comme ça que pendant les concerts, quand vous regardez dans les disques, à un moment donné, laisser la place à Papi Tex, lui reculer, c'est le Fombo qui était en train de le ravitailler parce que l'une de ses jambes était déjà pourrie. Il y avait une mauvaise odeur. C'est là qu'il y avait son succès. Pour entrer dans son orchestre, il fallait d'abord adhérer dans le monde. Personne n'a renversé Pepe Kale dans notre pays. Maïkari, c'est vraiment une histoire compliquée. Et tout le monde, les Luambo que vous voyez, ils étaient dans ce secte là-bas. Amen. Amen. Bio banafanyaka ni miaka. Kamu kwa kufanya 80 ans. Alors, c'est quoi qu'ils font? Si tu dois faire 80 ans sur la terre, ils vont par exemple prendre 30 ans. Ils ne vont pas te dire que nous allons te tuer. Ils vont te dire, tu vas aussi travailler pour nous pendant 30 ans. Mais pendant les 50 ans, tu vas régner comme ce n'est pas permis. C'est pourquoi kwa mini inegalaka ni neema ya Mungu. Vous savez, être converti ou croire cela, ce n'est que la grâce de Dieu. Pepe kale bari moneshaka wendo lake bibi yako laka batoto kafanye biote mu 10 jours tunakurekipere. À Pepe kale on avait dit ceci: va dire au revoir à ta femme, à tes enfants, prépare tout ce que tu peux faire, mais dans 10 jours nous viendrons te récupérer. Batumishi ngapi mu Kinshasa bari kuyamo. Il y avait combien de serviteurs dans la ville de Kinshasa? Charipashaka kwenda kubaona na peleka mabintu bana mombea. Il pouvait aller consulter ces gens-là et on pouvait prier pour lui. Moyo mugumu. Il avait un cœur dur. Banyone mi Pepe Kale. Qui puisse me voir moi Pepe Kale. Aningia mu studio. Il était entré dans les studios. Ile mwimbo ya Trahison. C'est comme ça qu'il avait la chanson Trahison. Ishikupe buluma. Tu ne dois pas avoir pitié. Il était en train de pleurer par rapport à la souffrance que lui-même avait vue. Trahison, wapilibala, sangoloba. Je ne sais pas quel est le mot. Je ne sais pas Mabele. Asema, wakati prêtre aranza kutombea juu ya mariage.
Anasema mwe bote unakuwa kintu kimoe. Me mina kwa kona shiku ya kufwa, menizia anafanya sanduku ya muntu moe. Alors il était en train de dire ceci. Au moment où le prêtre est en train de bénir le mariage, il disait, à partir d'aujourd'hui, vous devenez une seule chair. Mais le jour de la mort, Jésus est en train de voir un menuisier qui est en train de fabriquer un seul cercueil. Trahison, wapi libala sangoloba. We mumpe, ile mariage ulisemaka, iko wapi ulini trahir. Manake nini? Aina ule mumpe ule anataka abe mulumba, ule ni innocent. Mule mumaikarimu nikalaka ba prêtre. Kila prêtre kuna njina yake na role yake. Akuwa na jadreseni kwa ule, ana ule prêtre wa katolika wana. Ni ba prêtre babu. Ilikuwa ni trahison ya nini ya vile mashiku na mubakia kiloko. Alors quand il était en train de parler des prêtres, il ne parlait pas des prêtres catholiques. Dans leur monde mystique là-bas, il y a aussi des prêtres. Il était en train de dire ça par rapport à ces prêtres là-bas. Et il a vu les temps qui lui restaient et ce qu'on lui avait pris. C'est comme ça qu'il a parlé de la trahison. Les gens avec qui j'ai gardé les secrets m'ont trahi aujourd'hui. Je me suis retrouvé seul. J'étais en train de prendre la bière. Le docteur m'a dit qu'avec la bière, tu auras la maladie. Avec la cigarette, c'est la même chose. Je me suis retrouvé seul comme le soleil. Dans cette chanson, il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir. Il va bien suivre la musique et tu comprendras. La terre que nous sommes en train de piétiner, c'est elle qui va nous enterrer. Et si vous suivez le début de cette chanson, vous allez comprendre que la chanson commence très bien en vous disant que l'homme qui est venu sur la terre a toujours un jour il doit mourir. Où est-ce qu'il est allé? Il était mort, c'était dans la douche. Et c'est Madilou qui avait pris sa place. Et il était devenu le représentant de Maïkari. Toujours la même mort. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait comme chanson? Mina katala batoto wangu kumikono ya mbanda. Hivi na hivi. Eko na imba. Aranza na ye kulaka. Na ye kukana kilonda. Il était en train de dire au revoir. Ole wendo katubu watako batumishi. On lui a d'aller te confesser chez les hommes de Dieu. Ile kiburi kia kusa mi Madilou banyoni. Sa uku nani? L'orgueil de dire qu'on puisse me voir moi Madilou. Qui es-tu? Anakufwa. Et il est mort. Jovile bantu ya maikariba anakufwaka. C'est comme ça qu'ils meurent ces gens là-bas. Amen. Amen. Pala ne intitile album ya ketika mwana. Au moins, il a donné le nom de Tika Mwana à son album. C'est la chanson qui avait beaucoup de succès dans toutes les chansons qu'il avait. La danse qu'il y avait de Chisompa, Chisompa. Cette danse, ce n'est pas lui qui l'avait inventée. Il y a Lofombo. Il y a Juna Bumbafu. C'est eux qui soutenaient la casserole de la sorcellerie de cet orchestre. Amen. Amen. En plein concert. Katikati ya concert. Anakata musique anaria que personne ne bouge. Pale ça c'est na quoi ni invocation. Kambe kuna sema sakai bantu njobe kone chika. Manake ule esprit sankai atengia mule atamvute bantu na après concert paka kulale kwa takicho kya muntu moyo. Alors, à un moment donné, pendant les concerts, il arrêtait, tous les instruments étaient arrêtés, et puis il dit que personne ne bouge. Après, à un moment donné, il disait Sakai, il demandait au public de répondre. Et pendant ce temps, ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre, va envoûter tout le monde, et à la fin, il devait y avoir un mort ou plusieurs. Amen, Église. Amen. Nous allons maintenant toucher Mopao Mokonzi. Les gens qui connaissent Kofi Olomide depuis longtemps, les gens qui ont mon âge et ceux-là qui me dépassent, il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui, ile wakati ya wanyambile kama ni bintu kani alikuwa mubaya na manjunjunju au utapenda na ku television kunaonekana ile manjunjunju. Il n'était pas beau. Sasa bantu baranza kumchekaka sana. Les gens se moquaient de lui. Bari mutunza mubyakeushi mubyakizungu hakuna guérison. Il a utilisé toutes les stratégies mais il n'y avait pas eu de guérison. Sasa alipataka ule mami wata. C'est pourquoi Kofi banamuitaka tati wata.
En raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène. Il album Maritoshaka, il est à zéro faute. Il avait un album qui s'intitulait Zéro faute. Avant de toucher l'album, John Fania Kalianse na ule mami wata ule sirène anamubeba anamweka kumon fleri munyumbaki. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison au Mont-Fleury. Alors c'est la sirène qui était en train de laver Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. En 1994, Magie. Non, en 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas des choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réel, magie. Lorian Aristote, ce sont ses enfants. Ule Junior, ana mtoto yake hapana. Junior, ce n'est pas son enfant. Junior ni première fille wa ule sirene wake balizalaka naye. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour Juna, sa fille. L'autre album, c'était Efrakata. Titre ya mwimbo moya hivi ya Ekachaka. Jopaka ule sirene. Ekachaka. C'est toujours le nom de la sirene. Banamuke banafurahiwaka. C'est pourquoi banamuke banapendaka Koffi. Banaonaka sasa vile kona tapa. C'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Koffi, parce qu'il est en train de faire des éloges aux femmes. Il ne fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. Celui qui aime Koffi, automatiquement, il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi je dis. Je vais te donner des preuves. Koffi Olomide, c'est lui qui a amené l'église de nécromancie dans notre pays. C'est-à-dire que tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. Mission, la mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injurié les hommes de Dieu. Celui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Vous savez les choses qui sont en train de planifier. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Le premier musicien qu'il est en train d'envisager, il est en train de voir Mike Kalambay en disant qu'il sera mon musicien. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Kalambay. Il était en train de lui donner des éloges par rapport à Bonganga. En lui disant que si tu viens chez Quartier Latin, tu vas encore évoluer davantage. Il est en train de viser la sœur Lor Mbongo. En tout cas, je vais la déshabiller. Peut-être toi tu as cru à cause de la chanson de Lor Mbongo. Tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Tu deviens fanatique de cet homme. Automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que c'est un antichrist. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de fois on le voit à la morgue? Il n'a même pas. Avant de faire sortir l'album Magie, il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas. Il a même enlevé les dents après avoir fait les rapports sexuels avec ce corps là-bas. Il y avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson. Parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui avait demandées. Les tatouages qu'ont les musiciens qui sont au quartier latin, ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas, nécromancie. J'étais en train de témoigner dans une église à Kinshasa chez ma campagne. Je ne les citais pas. J'utilisais ça en parabole. Parce que mon monde est strong, il y a une place moins et mon nez il est naïf, chef, autorité, bengine, baapa, banendaka, comme adorer, couler. Dans le monde, Armstrong, il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde
vont l'adorer là-bas. C'est pourquoi mon nom est Kalakaurgeville. C'est comme ça qu'il est orgueilleux tel que nous le voyons. C'est quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés. Même devant sa maison, il y a ces symboles kabbalistiques. Le Seigneur soit loué. Nous entrons maintenant dans la génération Wenge. L'orchestre avait commencé en 1982. L'orchestre avait commencé en 1982. Wenge avait commencé en 82. Toi, tu ne peux pas nier parce que tu n'étais pas là. C'est Didier Massela qui était le promoteur de l'orchestre. Dans l'année 88, ils ont fait sortir le premier album Moulolo. Avant que l'album ne soit sorti, Evoloko les a amenés chez Kamfoufou, ils sont allés chercher leur fétiche. C'est le même marabout qui avait donné le pouvoir au groupe Zaïko. Moi, je ne veux pas vous donner ces histoires là-bas. C'est vous qui allez remplacer la génération Zaïko. Vous qui suivez la musique à un moment donné. Depuis 88, mambo ya mazaiko bilianguka wenge na yo sasa inanza. Regardez, à partir de 1988, Zaïko n'avait plus le succès, c'est Wenge qui avait pris les choses en main. Ule marabu aribambia kasema munapasha mwe benye orchestre vile muko avant mutoshe album ya pili. Avant concert, il faut monter moi à Koufou. Le marabout leur avait dit ceci. Au milieu de vous, comme vous êtes là-bas, avant de sortir votre deuxième album, quelqu'un d'entre vous doit mourir. Il y avait Werason, Marie-Paul, Jibem Piana. Et Didier Massela était aussi du nombre. Ils ont cité un soliste. Ils ont cité son nom. Vous voyez ce que le marabout avait fait. Amenez sa photo et tout le monde doit y poignarder son couteau. Bana twanga pokisu damu inatoka panatoka chula anasema mena moya bebe sasa ameze mkale naye. Après cela il y avait eu une grenouille et il avait demandé à l'un d'entre eux d'avaler cette histoire. Mutamwacha pakupika concert ya tangure kupanda mwevi munatwanga mumuchunge yananze epo kupanda pa tribune njona mwe mupande mais après concert atakufa. Et vous qui venez de faire ça, vous allez attendre que lui soit, qu'il puisse monter le premier. Quand il va monter le premier, après le conseil, il va mourir. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont des insensés. Et ils sont en train de chanter, en train de s'en soucier de lui. Dans la chanson de Coco Madimba, ils sont en train de regretter comment est-ce qu'il est mort, laisser les enfants. Or, ce sont eux qui sont les promoteurs de sa mort. Là-bas, il s'agissait d'un crapaud. Et maintenant, il s'est regardé. Ule marabout aribambia ula tameza, njo mwenye atabakia na secret, na njo atakuwa chef wa orchestre. Na partir ya hapa, album ile mutatosha ya kwanza, mwenye ula tameza kiula, njo mwenye atafa sikse wa kwanja. Alors celui qui va avaler le crapaud, c'est celui-là qui sera le chef de votre orchestre. Et quand vous allez faire sortir l'album, c'est lui qui sera le premier à avoir les succès. Vous savez Jibem Piana? C'est quelqu'un qui est né avec un bracelet à la main. Son père c'est quelqu'un qui aimait trop les fétiches. Et c'est quelqu'un qui aidait même son père Mobutu avec des fétiches. C'est lui qui avait accepté d'avaler ça. Il avait pris tous ses pouvoirs là-bas. C'est pourquoi il est wakati bananza wengi ali dominer Benja Kebote. C'est comme ça quand ils ont commencé avec Wenge, il avait dominé sur tout le monde. Au moment où ils ont fait sortir Kine Bouge, c'est la chanson qui avait amené le succès dans l'album.
Sasa wakati ile beko natumika. Au moment où il travaillait, banafika Musan City. Ils sont arrivés à San City. Ana Musan City kwa Afrique du Sud mu Kinshasa munikala bâtiment mwa banitaka San City. À Kinshasa un bâtiment qu'on appelle San City. Ule Blaise Boulanger alianzaka na sasa nono, hawezi kudiriger orchestre tangu alianzaka pako tushanje ko président mais akuiwaka pourquoi yeye ko président. Alors Blaise Boul avait commencé avec un problème de toi, tu as vraiment dirigé notre groupe, maintenant nous voulons changer de président. Ce n'était pas un problème d'argent. Au moment où il avait vomi la chose, tout le monde a eu peur. Alors c'est lui qui se sent fort, qui vient me suivre, que tout le monde reste. Maintenant le roi de la forêt, anatoka nenda ku village yabo. Il est allé dans son village natal. Anapatana na bamumpe bakumukini yabo. Ils se sont rencontrés avec les prêtres de Kikwit. Banamutuma mu Chine. Ils l'ont envoyé en Chine. Avant toche intervention rapide, faka ma voyage sana. Il avait beaucoup voyagé avant de. Akwana tafuta ba musicien, akwana tafuta ni mabuloji. Il cherchait pas les musiciens, il cherchait des pouvoirs. Ariwa force ya mwenjaki. Parce qu'il connaissait la force qu'avait son ami. Mule mushina renda karenda kuingia mu ile 36e chambre, mule munekalaka Laos et tout. En Chine, il était allé dans la 36e chambre là où il y a Laos et tout. Wakati aliingiaka anamona. Au moment où il avait vu, anatosha livre anamupatia. On lui avait donné un livre. Manake ile set secret de kung fu yeba na mupachia yo sasa mu musique c'est pourquoi rentitela album yake moi asema Opération Dragon. Fois acteur moi vu karateka retournaka na e film anentitile Opération Dragon. Uyo anecheza mu karate, uyo anecheza mu musique. Alors les sept secrets de kung fu qu'on avait donné à ce karateka là-bas, lui on lui a donné ça dans la musique. C'est comme ça qu'il a un album qu'il a intitulé Opération Dragon. Arifanyaka 7 jours. Il avait fait 7 jours. Bana mupacha totem ya leopard, bana pasula nchui. Qu'on lui avait tosha ro bana mumezesha. Qu'on lui avait donné le totem de léopard, on avait tué un léopard à qui et on lui avait donné le cœur de ce léopard là-bas. Église ule wera nikalaka na macho mubaya kama unaangaliana naye hivi au tunasema ni macho ya Mungu. Et quand tu regardes les yeux de Wera, ce sont des yeux très compliqués. Ana beba caractère yote ya nchui. Il a pris tous les caractères qu'avait le tigre. Angarata namna nikalaka mukichi. Regardez la manière dont il se met dans une chaise. Kama unaona na leopard vile nikalaka, utona tapa kinyo yako inaonekana sans chui. Et vous allez même voir comme le léopard s'est assis, même par la bouche vous voyez que ça c'est un léopard. Ule demon bari mupatia kana mu Bible kwamo. Le démon qu'on lui avait donné se trouve même dans la Bible. Ule démon joko na contrôler l'orchestre maison mère. C'est lui qui est en train de contrôler l'orchestre maison mère. C'est pourquoi Edingo alisemaka kama alikuwaka kacheru le garçon kama njoo ananiwinaka juu ya ringiaka mu chambre shi turingiaka mu salon ni ile 36e chambre banafuataka mushini. Alors c'est comme ça que Edingo le catcheur dit si ce type là-bas pouvait être un catcheur, c'est lui là pouvait me gagner parce que nous sommes arrivés juste au salon, lui était en train même dans la chambre. Après kutoka ku Chine anaenda ku Vatican. Après avoir quitté la Chine, il est allé à Rome. Bana mu consacrer kule. C'est là qu'il a été consacré. On lui avait même donné les tuniques de prêtre. C'est comme ça qu'il avait présenté son premier album, Force d'intervention rapide. Avant maintenant de faire sortir l'album. Il décomposé 7 jours à Naoza. Avant de faire sortir un album, dans sa maison, il y a une chambre noire. Dès qu'il y entre, il va faire 7 jours, il y aura des compositions de son corps. Mais après cela, quand il va entrer dans le studio, son album fera beaucoup de succès. Vous savez Kibusampimpa? C'est qui amène les ténèbres. Ile mwimbo yake wakati alitoshaka. Au moment il avait fait sortir cet album, il mupandishaka sana. Il avait encore monté des dimensions. Ile moto anariaka inasema ni moto kani. Le feu qui déclare, ce n'est pas n'importe quel feu. Napenda tusome hii passage. Tutajua ni demon kani anakontrolaka maison mère. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Ba fanatique ba maison mère muku lié kwa ule demon. Et vous les fanatiques de la maison mère, vous êtes liés à ce démon. Mtu anamabola na uzaka ya ule wera. Ha huyu shikwa takui mukolozi talalaka paka kule. Ah, mais quand viendra pour lui, je vais dormir là-bas. Qu'est-ce que tu vas devenir quand tu dors chez lui? Juge. Nous sommes juge. Wams. Nous sommes dans Juge. Nous sommes chapitre 16. Verset 23. Juge chapitre 16, verset 23. La Bible nous dit ceci. Or, les princes de Philistins
s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. À Dagon. Où est Dagon? Dieu mounye wa mambo. Dagon, c'est celui qui a des problèmes. Où est Dagon, il démon? Dagon, c'est un démon. Mais ba Philistin, ba ranzak mouita, c'est ma Dieu. Les Philistins l'appelaient Dieu. Ba prince ya ba Philistin, ba na changa sadaka ya munene sana. Les princes des Philistins se sont cotisés dans un grand sacrifice. Ba nenda kutoa kwa Dagon. Pour aller offrir ça à Dagon. Dieu ya nini? Pourquoi? Dieu a vile bari ou à Samson, bari mubamba Samson. Parce qu'ils ont capturé Samson. Samson alikuwa kana manyole 7 kukichwa. Samson avait 7 cheveux à la tête. Jomo alikuwa ka force yake. C'est là qu'il avait sa force. Satan ana imité. Au moment où le diable avait imité. Ba sataniste na bo bananza ko bawekele manyole 7 kubichwa. C'est comme ça qu'on met même dans les têtes des satanistes les 7 cheveux là-bas. Anatosha album yake asema alakelele. C'est comme ça qu'il avait intitulé son album Alakelele. Le dragon jori moneshaka fanile matrice 7 kukichwa. C'est le dragon qui lui avait demandé de faire ses 7 tresses à la tête. Bangapi mu bana muki unishuke alakelele bana mushuka. Or mu église pasteur qu'on a déclaré mukwe bichwa. Bantu wanachika amen. Tunakatala kwa mikila sasa munyumba unenda bushuka. Tout le monde ala kelele s'il vous plaît munanza tena kucheza ala kelele. Ni bantu ba moya beko na vuruka parole ya Mungu bila bantu kujua. Alors même les femmes aujourd'hui demandent quand on doit lui faire des tresses, non faites-moi à la queue le. On arrive ici, on dit tu seras la tête et non la queue. Quand tu arrives à la maison, tout le monde derrière l'autre en disant maintenant nous sommes à la queue le, en train de danser. Ils sont en train d'amener la complication dans le monde de Dieu. C'est à cause de cette chanson seulement. C'est comme ça qu'il avait mis ses 7 tresses à cause de la recommandation que Dagon lui avait fait. Où est Dagon? Dagon que vous voyez. Chez les Jamaïcains, on l'appelle Dja. Attaque Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud. Le 11 février 1991, où le leader wa barikwa ka mu prison, palari tokaka. Le 11 février 1992, quand leur leader était en prison, 91, à sa sortie, palana toka inja prison arikwa ka mukono yula naria amanja, où le Dja bana tayaka, ina Dieu créateur. Ce n'est pas le Dieu créateur qu'il est en train de citer en disant amanja. Dans chaque pays, le diable a déjà placé un prince des ténèbres qui est en train de contrôler ce pays. C'est Dagon, on l'appelle de l'autre côté Dja. Chez les Jamaïcains, il est aussi appelé Dja. Sasa, umumuetu mukongo, ule prince shetani aliwekaka, eko mufleve, banamuitaka monama, jole volo kwa rimbiaga mwimbo. Alors le prince qui a été placé dans notre pays se trouve dans le fleuve, on l'appelle Monama. C'est celui-là, Evoko avait chanté une chanson pour lui. Quand vous voyez Lac Dube en conseil, celui qui est déjà mort. Alors vous le verrez, à un moment donné, il fait arrêter la musique, commence à sauter en disant Dja Dja. Alors tout le monde devient excité, commence à faire cela. Là, c'est, on est en train de vous parler de ces dragons là-bas. Dagon. Dagon. Comment on a fait ta solo la bien? Si tu suis bien solo la bien. Quand l'hélicoptère arrive, il avec ses musiciens. Ils sont en train de faire des incantations. C'est un karatéka, nous savons. L'adoration qu'ils faisaient là-bas, c'est pour Dagon. Quand ils ont terminé, c'est pourquoi l'animateur arrivait à s'épeler. Moto barishika kafura vile moto na wakaniye anetika. C'est comme ça qu'ils ont été contents parce qu'il y avait un feu, il avait accepté. Dans tous ces cris, il ne manque jamais le feu. Le feu qu'il est en train d'implorer là-bas, c'est le feu de ces dagons. C'est pourquoi, alors c'est comme ça, quand tu entres dans son orchestre, il va te faire passer, il va faire des cérémonies sur toi. Quand tu vas quitter l'orchestre, tu ne vas pas évoluer là où tu vas aller. Dans l'aide, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Quand vous étiez en train de manger, vous ne savez pas que c'était pour les chants. Ne sois pas fanatique de ce frère. C'est quelqu'un qui a déjà fait des pactes terribles avec les diables à cause de son succès. Et il y a d'autres personnes qui l'honorent même.
de grande autorité. Sur le plan mystique, sur le plan mystique, il est au-dessus d'eux. C'est pourquoi on l'appelle le roi de la forêt. Son royaume se trouve dans le monde des pandémoniums, c'est comme ça qu'on l'appelle le roi de la forêt. Même papa Rochero, même les papas Rochero, quand ils les saluent, ils sont en train de s'incliner. Pourquoi? Parce que dans leur monde là-bas, il est au-dessus de tous ces gens là-bas. Je vais vous donner un petit signe. Quand on appelle tous les musiciens par les ministres, lui il arrive seulement les derniers souvent. Un jour ils se sont ils ont essayé leur dimension avec papa. Pourquoi, pourquoi il va les derniers? Parce que c'est un roi. À l'entrée, et papa Wemba lui avait demandé d'entrer en premier. Et là, il avait fait un signe qu'il a toujours fait. Les gens ont cru qu'il était en train de faire ça pour se vanter. Quelle boule! Alors, il y a d'autres frères en train de marcher. Ils sursautent un peu en disant quelle boule! Et ils sont en train de faire. Ce sont des incantations que vous êtes en train de faire sans les savoir. Et papa Wemba lui aussi. Salutations quoi, le mari de Marigoué. Salutations devant Marie de Marigoué. Quand vous le voyez avec Wazekwa, bana la mukiana gaje. Il se salue comment? Wazekwa na shimamia pale. Wazekwa quelque part là-bas. Yana mufata naria mangro koto. A lui dit mangro kokoto. Bantu mingi banona kasele mangro koto ni bunduku vile bo banebisemaka. Et ils sont dans ce sont des liens de fraternité. Ni musekti abo mulebeko. C'est dans leur secte où ils sont. Quand tu entres dans ces sectes, c'est comme ça que vous avez commencé à vous saluer. C'est la salutation de Dja. Et ils se font comme ça. Et puis ils mettent de... Et puis ils disent Yelaz. Na mubatoto banamuke ni kupikana mikono abayona kule bilianzi. C'est mouvant entre même. Anaria koko, aneka mkono. Chez les jeunes filles en disant koko. Laisse-moi te dire, Église. L'ignorance est une arme efficace que le diable utilise. Tu ne dois pas imiter le monde, tu seras ennemi de Dieu. Et la Bible dit même cela, c'est lui qui aime le monde sera l'ennemi de Dieu. Ces choses, nous devons les laisser à eux-mêmes. Bon assifio. Que le Seigneur soit loué. Quelqu'un m'avait posé la question en disant pourquoi Wilson fait des choses pareilles. Alors, en Solola Bien, il y a une chanson qu'on voyait dans les clips. À un moment donné, à la fin de la chanson, quand ils allaient avec cette femme, il avait fait encore ce mouvement. Même dans la position qu'il prend quand il est dans une chaise, c'est toujours la même position. Alors je t'avais dit que la sorcellerie peut se cacher, mais les signes sont visibles. Il est en train de refléter l'image du léopard qu'il a en lui. C'est comme ça que dans beaucoup de ses clips, avant que le clip ne commence, on demande d'abord un léopard. C'est même ça son totem qu'il est en train de présenter. Tu ne dois pas être fanatique des Zamba Playa. Quand je vais arriver à Kin, je dois arriver aux Zamba Playa. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne dois pas être son fanatique. Bien que dans leur chanson il y a des conseils, mais là, dans la profondeur, ils sont en train de travailler avec la sorcellerie. Grand-père Bozi Bozian. Le grand-père Mena Bozi Bozian. Il avait l'orchestre qu'on appelait l'Antichoc qui avait beaucoup cartonné à l'époque des Zaïre. Ule Benz Bozi arifanyaka mariage na fille moi hivi mais bari munyanganyaka ule bibi. Il avait connu un mariage avec une fille mais qu'on l'avait arraché après. Mukumbuke banduku ba mumyaka ngo nabale bananishindi. Les gens qui ont mon âge et qui sont plus grands que moi. Arimbaka mwimbo moya aritoshaka jina ya mwanamke bantu walipangaka na watoto yabo ile majina hiyo. Il avait donné à une chanson le nom d'une femme et beaucoup de gens ont donné ces noms à leurs enfants. Chicha la belle jolie fille. Chicha la belle jolie fille. Ah, chicha la belle jolie fille, nga na lingi yeye pona libala. Ah, mulishikaka pole mwimbo.
Suis un peu la chanson et tu verras ce qu'il est en train de dire. Ba autorité banene. Des grandes autorités. Ba patron minene ba yo kisonite. Njou baranza kufuyaka. Kuku ancien PDG moi wa miba. Njou are wako le mwana mukyolo. Il y avait l'ancien PDG. Na ule ancien PDG ashikalake na bibi. Ekalake atana mutoto. Alikuwa na ule bibi mumondi abo. Eko na muzarisha na batoto. Ule bibi ni bozi. Njou are pashak mwaka. Et la femme là-bas, c'est Bozi qui devait la prendre en mariage. Mais les PDG n'ont même pas de femmes, des enfants. Mais il avait cette femme dans le monde. Tout le monde, tous les musiciens font des éloges sur les femmes. Mais la manière dont lui a fait ses éloges, c'est vraiment différent parce que c'est devait être ta femme dans le monde mystique. Tu es en train de se promener en cours de route. Bantu mukumwangaria manshingo iko na vunjika unenda mu clinique mama emotona bantu ma plâtre na kingo. Et puis bantu bana confirmer que azali le ki a Lucifer. Mumwimbo mula na mutaka mona Lucifer. En disant quand elle est en train de va confirmer que azali le ki a Lucifer. Quand elle est en train de se promener, les gens entendent regarder en les regardant leur cours s'est cassé, même il s'est trouvé même à l'hôpital et il est en train de dire qu'elle avait des parentés avec Lucifer. Beaucoup de parents ont donné ce nom à leurs enfants, mais ils ne savaient pas qui était Chicha. Amen. Amen. Démon à dimanche. Le démon de dimanche. Ça, il n'y a rien de plus à m'arrêter à 19h juste. Nous avons encore le temps parce que nous devons arrêter à 19h juste. Je dois beaucoup parler parce que demain, il n'y aura pas de rencontre, seulement les dimanches. Dimanche, Astaros. Astaros. C'est lui le démon de dimanche. Et c'est lui qui amène les rapports de tous les démons qui se rencontrent pendant la semaine. Son siège se trouve à Fungurume, ici au Katanga. À partir de lui, ma prédication yote na pitaka mu ma église eko na contrôler eko na peleka mu monde ya ténèbres na eko na tumika na ma église. Il a adoré vrai Dieu créateur. Alors à partir de lui, toutes les prédications qui se passent, c'est lui qui prend le rapport et amène ça dans le monde des ténèbres.